Alors, les comptes, c'est fait. Appeler Yann en anonyme et raccrocher juste pour le faire chier. Allô? Il faut arrêter, hein. Il faut m'oublier, hein. Arrêtez. C'est fait. Terminer le montage de cette vidéo. C'est fait. Ah oui, répondre aux commentaires les plus bienveillants et totalement en rapport avec la dernière vidéo. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Inconi. Qu'on s'entende bien, les géants du numérique savent absolument tout de vous, hein, que vous ayez un compte Facebook, Google ou pas, et inutile de virer les lettres de votre prénom ou d'inverser celles de votre nom de famille, hein, ils n'en ont absolument rien à foutre. On n'est rien à carrer ! Et c'est pas ça qui compte pour eux. Votre signature numérique s'en tape totalement que vous vous fassiez appeler Coco Lastico ou 12 par sec, hein, quand vous naviguez sur des sites un peu chelous. C'est un peu comme votre numéro de sécu, hein, vous êtes identifié même sans votre nom. Et du coup, à partir du moment où vous vous connectez à une appli quelconque, que vous faites la moindre recherche, vos informations se retrouvent absolument partout sur internet et après vous faites hameçonner pour acheter toujours plus de merde. Oui, bonjour, c'est le livreur. Et Inconi vous permet justement de contrôler et d'effacer toutes ces données qui se perdent un petit peu partout. Inconi comme incognito. Ah non, mais déjà là, on voit qu'on a affaire à des professionnels, hein. Au moindre clic, tes données sont siphonnées, et à moins d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de temps à perdre, hein, t'as pas du tout envie d'aller checker tout ça à la main. Et ça tombe très bien, puisque Inconi le fait à ta place. Eh oui. Oui, bonjour, c'est le livreur. Oh, ils me connaissent bien les bougres, hein. Avec un abonnement mensuel, ça va scanner les serveurs de manière régulière et supprimer vos données parfois sensibles et exposées à vous savez pas qui. Et même moi, qui fais super gaffe, ça m'a détecté 75 problèmes. Et... Oui, bonjour, c'est le livreur. Bah oui, mais toute la journée, je suis exposé aux pubs, alors forcément, bah, je suis tenté, quoi. Bon, tiens, lui, il va aller là. Sans compter que... Oui, bonjour, c'est le livreur. Oui, ben je suis faible, jugez-moi. Bref, Inconi vous permet d'effacer régulièrement et automatiquement vos infos personnelles que vous laissez bien malgré vous, hein, pour garder l'esprit tranquille et vos données chez vous. Et il gère même pour vous, hein, les demandes manuelles d'entreprises qui font un peu de mauvais esprit, genre « Oui, comment ça? Vous êtes pas bien chez nous? Voilà des papiers à remplir pour qu'on vous rende vos valises. » Là, il s'en occupe. Rien d'autre à faire que vous créer un compte et... Oui, bonjour, c'est le livreur. Ah non, non, mais ça va, c'est pour le boulot. Si, vraiment. Abonne-toi, tu verras. Rien d'autre à faire, donc, que vous créez un compte, et pour les 100 premiers d'entre vous à sauter le pas, bénéficiez d'une réduction de 20% immédiate. Et si vraiment ça vous plaît pas, c'est 30 jours satisfait ou remboursé. Tous les liens en description. Le pétrole, c'est absolument génial. Je sais que c'est compliqué pour certains de mettre leurs émotions de côté, mais c'est pourtant sans appel, hein. Le pétrole, c'est génial. Le problème, c'est pas le pétrole. Le problème, c'est la surconsommation frénétique et débile qu'on en fait. C'est une ressource précieuse qui va fatalement décroître avec le temps, hein, et il faut apprendre à l'utiliser intelligemment. Et donc, pas pour faire des putains de sacs en plastique, hein, pour les handicapés moteurs incapables de porter leur kebab à la main, plus une canette. It's physically impossible! Ou alors pour alimenter ces gigantesques bétaillères à la con. Comme on l'a vu, les utilisations du pétrole sont très nombreuses et surtout très variées. On le transforme, on le brûle, sa polyvalence et sa puissance sont juste incroyables. C'est super efficace pour les avions notamment, hein, puisqu'on peut embarquer une grande quantité d'énergie stockée sous forme chimique dans un volume et une masse contenue. Hein. C'est le problème de l'aviation, on est limité en poids, tu peux pas embarquer un réacteur nucléaire, hein, beaucoup trop lourd. C'est facile à trouver, à transporter, à transformer. Mais en vrai, qui consomme quoi? Alors, bon, hein, c'est des ordres de grandeur, c'est pas à la pinte près, hein, et puis dans 2 ans, bah, ça aura peut-être changé un petit peu, mais voilà, ça donne une idée des volumes. Bien entendu, tous les liens sont en description. J'ai utilisé plusieurs sources, elles donnent toutes des données à peu près similaires, mais bon, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, bien entendu. Donc, 5% de tout le pétrole extrait, c'est brûlé dans des centrales thermiques pour produire de l'électricité. Alors, ça, c'est en baisse, on a de moins en moins de centrales au fioul, et voilà, c'est à peu près 5%. 8%, c'est pour l'habitat, pour le chauffage notamment. 17%, c'est pour l'industrie. Là, dans ces 17%, on retrouve en gros le plastique, la pharmacie, les produits transformés, les fringues, les capotes, tout ce qui va être transformé, hein, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. 6% du pétrole, c'est pour l'aviation. Alors là, les chiffres divergent, puisque des fois on entend 2% et des fois c'est 6%. Bon, disons que c'est entre 2 et 6%. 5%, c'est le transport maritime. 16%, le fret, les camions, tout ça. Et 24%, c'est nos bagnoles individuelles. Et le reste des 11%, bah, c'est le reste. Tous les micro-usages du pétrole, hein, plus ponctuels, dans la construction, l'agriculture, la Formule 1, etc. Mais bon, même ponctuel, on est déjà sur des bons gros volumes. Hein, on va voir ça tout de suite.
Et donc voilà, 55% du pétrole extrait est donc brûlé dans nos moteurs pour aller pointer au taf tous les jours, le week-end pour aller bouffer le flan au hareng de Tata Simone, ou pour fuir Vierzon et noyer son chagrin dans l'alcool. Mais ces pourcentages, c'est des pourcentages de quoi? Non, parce que bon, je rappelle, hein, on n'est pas chez Élise Lucet. Hein. Ouais, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris un taquet, elle. Balancer des chiffres sans ordre de grandeur avec une petite musique qui fait peur, c'est pas le genre de la maison. Et puis, c'est quoi ce fameux pic de production de pétrole? Alors, désolé, je vais faire mon train de savate de youtubeur et critiquer les paroles de monsieur Jean-Marc Jancovici. Alors, pour être tout à fait honnête, je vois beaucoup de ses vidéos scrollées sur TikTok, j'adore ce qu'il raconte, j'adore le ton avec lequel il le raconte, mais je ferais un bien piètre vulgarisateur et un bien piètre être humain également si je me contentais de recracher bêtement ce que j'entends, hein, aussi séduisant le discours fût-il, sans aller vérifier l'info à la source. Et j'insiste, hein, Janko, c'est vraiment le gars qui m'a donné envie de faire cette série de vidéos, de montrer les volumes qu'il évoque pour mieux se représenter le pétrole dont on dépend. Et de montrer notamment un truc qu'il répète souvent, le pic pétrolier s'est produit en 2008. En gros, que depuis 2008, on produit de moins en moins de pétrole et qu'on en produira de moins en moins à partir de là. Sauf que, bah, c'est faux. Quand j'entends une info, bien évidemment, je vais la vérifier avant de vous la livrer en offrande. Or là, bah, les données ne corroborent pas ce qu'il avance. Alors attention, hein, c'est pas non plus à l'opposé total, on est plus sur une sorte de plateau que sur une baisse, et la demande n'a pas été multipliée par 6 non plus. Mais on n'est pas en décrue. Et pareil, hein, pour les plus fragiles d'entre vous, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je dis juste que c'est comme ça. D'ailleurs, juste une petite parenthèse très courte. Quand je parle d'une molécule, ou d'un ensemble de molécules dans ce cas-là, avec un très fort potentiel chimique, à très haute densité énergétique, facilement manipulable, disponible en quantité immense, à des prix défiant toute concurrence, peu importe le niveau de fragilité de vos émotions, ça reste un produit exceptionnel, génial. Au sens où il n'y en a pas d'autres comme ça. Ne confondez pas l'outil et l'usage qui en est fait. Si tu te fais ouvrir la jugulaire par un couteau suisse, le côté génial du Schlass helvétique multifonction n'est pas remis en cause. C'est l'usage de certains qui est problématique. Donc quand dans la dernière vidéo, on me dit « t'as pas parlé du dérèglement climatique, propagande ?» Juste, c'est pas le sujet en fait. Et on le sait pas tous que le pétrole est un vrai problème écologique? Genre il faut le répéter à chaque fois? Et à aucun moment je fais la promotion du pétrole, genre « allez-y, toujours plus ». Si vous avez compris ça, vous avez mal compris. Au contraire, surconsommer cette ressource aussi géniale, la brûler au lieu d'en réserver à des usages ou de productions plus précieuses, c'est une connerie d'un point de vue économique et écologique. Parce que, ouais, vraiment, on en surconsomme sa race. On est les parents de Chiro avec ce jus miracle, hein, c'est juste abusé. Mais quand Jancovici parle de pic de production en 2008, il se base surtout sur les prédictions d'économistes qui estimaient au début des années 2000 qu'on atteindrait ce maximum cette année-là. Mais entre-temps, on a découvert de nombreux gisements, de plusieurs milliards de barils pour certains, et on continue à en trouver. Et c'est d'ailleurs un énorme problème environnemental, hein, de trouver toujours plus de cette ressource à brûler. Et bon, après, s'il n'a pas totalement raison sur l'année exacte du pic, une chose est sûre, hein, bah, c'est qu'à un moment donné, ce pic se produira bien. Il aura lieu à un moment, c'est une certitude. Et donc ça serait bien de commencer à réfléchir à comment faire avec de moins en moins de réserves. Ah bah c'est mathématique, hein. T'as une dose finie au départ, tu peux pas continuer à cramer toujours plus de cette dose sans qu'à un moment donné t'arrives au bout. Tu peux même pas en cramer tout le temps la même chose sans à un moment donné finir par l'épuiser. À un moment, il faut arrêter de puiser dans sa besace, soit en arrêtant le barbecue, hein, soit en fabriquant un nouveau combustible. Alors première solution, le jus de betterave. Bah déjà parce que c'est dégueulasse à bouffer, donc quitte à en cultiver quand même, autant partir en thrift dans les multiplats au passage. Bon. Le bilan est juste catastrophique. L'agrocarburant, le pétrole produit à partir de plantes, nous a été vendu comme la fin de la pollution, la solution à tous nos problèmes environnementaux. Bah juste non. En fait, c'est juste la pire idée après avoir vendu Star Wars à Disney. Encore une fois, c'est mathématique niveau 6ème. Hein. T'as un nombre limité de terres agricoles qu'il faut entretenir, traiter avec des pesticides, qu'on vend de plus en plus aux pavillons immobiliers, aux centres commerciaux et aux parcs éoliens, pour cultiver des trucs qu'on va pas bouffer mais brûler dans nos flat twins. Sans compter que l'agriculteur, pas fou, le gars te fait un tiers blette, un tiers radis, qu'il vend au marché pour 10$ l'hectare, sauf qu'en face, on lui propose 100$ l'hectare au cours du mazout, s'il vend la même chose pour en faire du sans-plomb. En 10 ans, tous les gars seraient passés à la culture tout soja 98, hein, et on aurait donc des réservoirs bien pleins et le ventre vide. Sans pour autant en plus arriver au niveau de production du pétrole actuel. Donc voilà, ouais, vous emmerdez pas, on est déjà très vite revenu sur cette solution. Autre techno inspiré du vivant, les algues. Comme pour emballer tes maquis, mais pour produire du pétrole. Là au moins on prend pas de terre cultivable. On fait ça dans des tubes, en labo, hein, comme le développe notamment ExxonMobil. Le principe est plutôt simple, une algue, le CO2 de l'atmosphère, de l'eau et du soleil, et telle une poule de fable bien connue, elle produit en quelques jours, contre 200 millions d'années, quelques gouttes du précieux élixir. Et encore une fois, idée de merde.
Le bilan est catastrophique, là encore. Ça consomme plus d'énergie que ça en produit. Il faut des quantités de flotte incroyables, entre 35 et 3500 litres selon la techno pour produire un putain de litron de mazout. Il faut ensuite des quantités de phosphore pas possibles pour pouvoir l'extraire ensuite de la cellule de l'algue. Voilà, c'est juste nimpe. Reste alors le carburant vert développé notamment par Porsche et Audi. En décembre 2022, Porsche a inauguré au Chili sa première usine de production de e-fuel. Alors bien entendu, hein, comme pour l'agrocarburant, le pétrole de synthèse ne va pas se former au jus de bonne volonté. Il va falloir de l'énergie, et si possible verte. Hein. Il ne s'agirait pas qu'on se mette à brûler encore plus de mazout pour en produire. Alors la zone où ils sont implantés est très venteuse. C'est genre l'Assemblée nationale niveau brassage d'air, mais sans avoir à supporter les conneries de Sandrine Rousseau. Non, rien, pardon, mais en fait, je viens de me rendre compte que je vis dans un monde où des gens ont élu cette personne en pleine conscience. Genre, c'est ok, cette candidate est la personne la plus qualifiée pour nous représenter. Non mais y a qu'à Paris qu'on peut réussir un hold-up pareil. Pardon, encore une fois, hein, je parle pas de politique, je parle uniquement de ces positions hallucinées et dangereuses sur la science. Et donc, l'énergie éolienne devrait pouvoir subvenir à leurs besoins énergétiques. En tout cas, c'est l'idée. Ici, on utilise une technologie différente des algues à base d'hydrogène. Ok. Non, mais alors, aucun problème avec ça. Partons du principe qu'ils savent ce qu'il faut. L'idée est donc de capter le carbone contenu dans le CO2 de l'atmosphère, donc diminuer d'une certaine manière la part de réchauffement climatique, et le recombiner industriellement à de l'hydrogène contenu dans l'eau, par exemple. Sauf que, il te faut une étape en plus, hein, parce que CO2 plus H2O, ça te fait pas du pétrole. Ça te fait de la salvetta. Elle a mis le sud en bouteille. Il va donc falloir séparer les H de l'eau, et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est très énergivore. Et ça constitue un vrai défi industriel. Avantage, ça n'utilise que de l'eau et de l'électricité d'origine éolienne. Donc normalement, pas de CO2 en plus émis dans l'atmosphère. Mais bon, on va y revenir dans un épisode spécial dédié à l'hydrogène. Et du coup, Porsche va pouvoir donc capter le CO2 de l'atmosphère et le transformer en pétrole pour l'industrie, les médicaments, les... Ah non. Non, c'est juste pour pouvoir continuer à remplir le réservoir de leurs étuis péniens. Ouais. Après avoir refusé le nucléaire chez eux, les Allemands ont décidé de ne pas transiter vers la bagnole électrique en 2035. Et forcément, ils n'en produiront jamais assez d'électricité pour alimenter toute leur voiture, qui est quand même à la base de leur économie. Donc ils préfèrent continuer dans les moteurs thermiques qu'ils savent faire et miser sur une nouvelle stratégie thermique. Porsche espère ainsi pouvoir produire 550 millions de litres par an d'ici 2027. 4 ans, quoi. Ok, encore une fois, moi ça me va, hein. Je suis d'un naturel optimiste. Pas de problème avec ça. On produit ces volumes, je veux pas savoir comment, en partant du principe que ça ne va pas émettre du CO2 supplémentaire, ou du moins pas plus que la production de pétrole actuelle. Et on arrive à ce résultat. Mais on y arrive... ça représente quoi, 550 millions de litres? 3,5 millions de barils en un an. Et c'est là que les emmerdes commencent. Tu vois quand t'arrivais le matin en cours 5 minutes à l'avance pour pouvoir rédiger l'exposé que t'avais pas commencé? Bon c'est ça fois 1000. Refois 1000. Et remis plus que 3 fois 1000 encore derrière. Les volumes de production actuels de pétrole sont juste absurdes et les domaines tellement variés. C'est totalement illusoire de vouloir produire artificiellement les mêmes quantités à plus ou moins long terme. Comparons ça à un géant de la production de liquide, Coca-Cola. L'entreprise américaine produit 630 millions de litres par jour de sa boisson diététique. 1,5 à 1,9 milliard de bouteilles comptées en serving, soit 33 centilitres pour la plupart, fourchette haute. 630 millions. C'est juste énorme. Titre. Sauf que bon, en baril, vu que c'est comme ça qu'on compte le pétrole, ça fait au final que 4 millions. Alors, toujours très conséquent, mais faut rêver encore plus grand. Partons du principe qu'un petit Lego comme ça, là, ça va représenter 1 million de barils. La production quotidienne de Coca produit dans leurs 863 usines dans le monde, ça donne ça. À côté, là, c'est la tour Eiffel à l'échelle, pour se représenter. Et dans le même temps, on produit 95 millions de barils dans le monde chaque jour. Voilà, ça représente ça. Jouable, me direz-vous. Sauf que Porsche prévoit à peu près cette production-là sur un an. Voilà, en comparaison avec les barils de pétrole, ça donne ça. 4 millions de barils face aux 34 milliards dont on a besoin chaque année. 34 milliards de barils de pétrole par an. Si maintenant on ramène ça à nos proportions du début pour se représenter. 5% pour la production électrique, ça fait 1,7 milliard de barils par an. Ça, tout le monde est dessus. Nucléaire, éolienne, admettons. Si on n'est pas trop con, on va peut-être pouvoir réussir à supprimer totalement cette partie-là. En tout cas, techniquement, c'est faisable. Reste à voir si on arrivera à produire suffisamment. Pour l'habitat,
2,7 milliards de barils. Pareil, hein, si on s'y prend bien, on devrait pouvoir réussir à se passer de cette console-là en la remplaçant par d'autres trucs. 17%, c'est 5,8 milliards de barils par an. Et ça, bah, c'est tout ce qui est transformé. Alors ouais, les jouets à usage unique, les emballages plastiques, normalement, on devrait pouvoir réussir à diminuer. Mais ça paraît compliqué de zapper quand même totalement cette partie-là, tant nos besoins sont variés et nécessaires pour beaucoup, notamment les médicaments, etc. 6%, c'est pour l'aviation. 2 milliards de barils par an. Ça, l'électrique va pas pouvoir le remplacer. Ni la fusion, ni le nucléaire, peu importe. On va pas pouvoir faire voler les avions électriques avec des batteries. Et les avions hydrogène, ben pareil. À quel moment on peut imaginer pouvoir produire cette quantité-là d'hydrogène pour pouvoir faire voler des avions? Et même en le réservant uniquement à l'aviation. Porsche espère pouvoir produire à peine cette quantité-là. Il y a forcément un moment où ça va coincer. 5% pour le maritime. Bon, ça, ok. Il y a plein de technos qu'on va pouvoir embarquer sur les bateaux. On va pouvoir innover, là, pour le coup, sans trop de contraintes. 11% de produits divers, donc là c'est pareil, ça sera au cas par cas. 3,7 milliards de barils qu'il va falloir trouver ou remplacer. Encore une fois, c'est pas avec la fusion qu'on va pouvoir construire les routes. Hein. Et reste donc le problème des 40% restants, 13,6 milliards de barils par an pour faire rouler nos camions, nos SUV et nos motos. Et là, bah, les solutions... Il y en a, hein, on sait faire. On peut passer à l'électrique, hein, on peut stocker de l'énergie dans des batteries pour pouvoir faire avancer nos charrettes. L'hydrogène également, mais bon, déjà que pour les avions, ça risque d'être chaud de pouvoir tout alimenter tellement les volumes sont absurdes que... Alors, bien sûr, on passera pas au tout électrique en 2035, hein, ni même en 2050, mais c'est une solution de remplacement viable, en complément d'autres choses, mais qui n'est pas forcément transposable à tous les secteurs. Je passe bien entendu sur les analyses des experts en économie les plus moussus qui chougnent déjà que l'électrique va tuer des emplois. Ouais. L'abolition de l'esclavage et la fermeture des usines d'armement à la fin de la guerre aussi, ça a tué des emplois. On est vraiment sur la réflexion niveau neuneu, là. Hein. Si on n'est pas capable de faire évoluer l'emploi sur 30 ans, effectivement, on est un pays mort. Hein. Et également, dire qu'en France, on ne va pas résoudre le problème écologique mondial en passant à l'électrique, c'est une connerie abyssale. Bien entendu qu'on ne va pas résoudre le problème écologique mondial, mais c'est pas le but. C'est encore une fois prendre le problème totalement à l'envers, avec une démonstration simpliste, et donc facile à copier-coller hein, dans les repas de famille ou sur TPMP. Non, on ne va pas résoudre le problème mondial du transport, mais toute cette pression libérée sur la production de pétrole, c'est déjà ça de prix. Parce qu'on ne va pas pouvoir le faire partout. Il y a un moment donné, le pétrole va continuer à être nécessaire pendant longtemps sur des postes où on a juste pas le choix. Et puis c'est comme pour tout, hein, il faut toujours qu'il y ait un premier. Et que l'Europe montre la voie, anticipe, bah c'est très bien. Il faut bien que quelqu'un commence. Et puis c'est pas quand il sera trop tard ou quand on va commencer à payer 5 balles le litron de fuel qu'il faudra commencer à s'affoler. Un Français consomme en moyenne 10 barils de pétrole par an, dont 4 rien que pour ses trajets quotidiens maison-boulot. Sans quasi rien changer à ses habitudes, c'est déjà 40% d'économie à titre individuel. Et c'est ça qu'il faut voir, pas le problème à l'échelle globale. C'est juste nous, à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, c'est déjà ça de prix, et ben, de laisser des réserves pour autre chose. On a encore du pétrole pour des décennies, voire un siècle, et peut-être un petit peu plus. Mais au rythme actuel, les quantités à produire de manière industrielle sont juste débiles, à supposer qu'elles ne brûlent pas encore plus d'énergie supplémentaire à produire. Sans compter le coût écologique déjà bien trop lourd et irréversible. Il semble donc qu'on n'ait pas encore totalement atteint le pic de production, hein, et il y a même de fortes chances qu'on continue sur cette lancée encore longtemps, mais les États ont investi 1000 milliards de dollars pour trouver leur nouvelle dose d'or noir en 2021. Record dans l'histoire. Et ça ne pourra qu'augmenter. Les gisements vont être de plus en plus durs, de plus en plus coûteux et dangereux à exploiter. Et les États, c'est nous. Hein. Les États sont financés par nos impôts, notre travail. Et l'argent magique à la volonté, bah, ça n'existe pas. Donc si on compte que nos impôts vont être siphonnés pour ça au détriment du reste, plus le fait qu'on va payer nos biens dépendants du pétrole, donc tous nos biens, de plus en plus cher, bah clairement, soit faut arrêter de pomper, soit faut produire de nouveaux stocks. Et tout ça en un petit peu moins de temps hein, que les 200 millions d'années que la nature a pris pour fabriquer le pétrole précédemment. Voilà, c'est le smile, hein. Voilà, joyeux dimanche, bonne route, hein, pour bien vous faire culpabiliser. Non, aucune morale à donner, et c'est absolument pas du tout le but ici. Je suis juste là pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, en espérant que ça a été utile, voilà, en vous donnant les volumes, en vous donnant un petit peu visuellement ce que nous produisons, ce que nous consommons, et les clés sur lesquelles on va pouvoir agir pour pouvoir diminuer un petit peu et trouver éventuellement d'autres solutions. Encore une fois, je suis pas pour revenir au Moyen-Âge et à la bougie. Notre confort est peut-être un petit peu trop élevé, on pourrait éventuellement le descendre, mais c'est absolument pas mon but. Je préfère anticiper la transition que de devoir la subir. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Comme d'habitude, les commentaires les plus débiles et les plus malpolis seront accueillis exactement sur le ton de la question. Donc ne venez pas vous plaindre qu'on vous parle mal si vous ne savez pas vous adresser aux gens. Demandez-vous toujours si vous seriez capable de me dire ça en face à face. Des bisous et n'oubliez pas que malgré tout, le génie est partout.